Ça commence par une image de Millet parce que plus tard, Van Gogh va s'en inspirer. C'est-à-dire il va retravailler ses œuvres et ses sujets, mais à sa manière. Donc beaucoup plus coloré. Ce que vous pouvez remarquer, le sujet est le même, le traitement est complètement différent. Ça va être tout à fait notre sujet. C'est pourquoi j'ai fait cet exercice. Un point jaune, un point vert, qui vont pouvoir évoluer pour rentrer peut-être dans une nature morte de Cézanne. Voici Valoton. Et vous allez faire attention à ses ombres, à la couleur de ses ombres, encore une fois. Et aussi à ces drôles de raies vertes. Dans le portrait de Madame Matisse. Et quand Bonnard ouvre la fenêtre, voilà la lumière qui rentre et qui transforme la couleur des ombres. Encore du Valoton et ses ombres violettes. Et voilà au père. Et cette fois-ci, vous remarquerez tout seul, je pense, ces ombres bleues. Et encore les ombres bleues de Aubert, les ombres portées des gens qui prennent un bain de soleil. Et là, ce ne sont pas les pyramides, mais les trois sandwichs de Thiébaut. Et si vous avez de la place, voilà des glaces qui fondent au soleil et qui laissent encore des belles ombres bleues, tout comme ces morceaux de gâteau. Vous voyez que Thiébaut affectionne ce genre de sujet. C'est peut-être le moment de plonger dans la piscine de Hockney et encore des belles ombres bleues un peu partout. Et là, je vous laisse deviner. Le nom va s'afficher plus tard, donc vous le connaissez, et oui, c'est Thiébaut. Alors, mes points, vous vous en souvenez? J'ai appliqué des ombres colorées. Peut-être que mes poings peuvent rentrer dans une nature morte de Cézanne maintenant.